l'absence de Mal Simon qui est sur son stand mais qui ne se sent vraiment pas bien. Et je l'ai vu, il est tout pâle. Alors je ne sais pas si c'est la choucroute d'hier soir qui l'a mis dans un état comme celui-ci, mais un garçon qui vient du Vermont, il faut toujours se méfier un peu des chocs des cultures. Mais donc, il n'est pas présent, mais il est quasiment remplacé par quelqu'un. Mais je vais demander à Serge Bloch de le présenter parce que c'est un peu votre maître, votre professeur. Donc je vous propose de présenter le garçon qui remplace Mal Simon et qui est avec nous. Bah, tout le monde connaît Claude Lapointe, non? Claude a été notre professeur à beaucoup d'entre nous qui sommes dessinateurs aujourd'hui. En fait, pour présenter Claude, je peux juste dire surtout que je ne savais pas du tout ce qu'était l'illustration. Je ne savais même pas que ça existait, l'illustration, jusqu'au jour où j'ai ouvert une porte dans l'école où je m'étais perdu. Et c'était l'atelier d'illustration. Et j'ai découvert ce jour-là que ça existait. Et ça, c'est surtout que ça... les choses se sont mises en place et j'ai réalisé que c'était quelque chose qui me correspondait complètement, alors que je n'avais jamais imaginé qu'on pouvait dessiner et vivre en dessinant. Et Claude nous a appris beaucoup de choses et vraiment nous a... Quand je dis ouvert une porte, c'est vraiment ça. Et alors juste avant que la rencontre commence, Claude disait que vous n'étiez pas un garçon facile quand vous étiez dans cette école. Bon, j'étais jeune et pénible. C'était un... Je sais pas, le même. Oui, ben je reviendrai sur ce que tu as dit, qui est très, très juste et bien senti. Et non, je disais que les étudiants qui sont un peu rétifs à ce qu'on leur donne ou qui ne trouvent pas tout à fait ce qu'ils y cherchaient ont beaucoup servi à l'atelier, à moi pour commencer, parce qu'on se remet en cause automatiquement. On s'interroge, on regarde si les choses vont dans le bon sens, etc. Donc c'est très utile, très utile. Donc je remercie d'avance tous les rétifs que l'école a eu à l'époque. Mais en réalité, Serge avait tout compris du monde de l'image et du texte et était tout à fait... Je ne sais pas s'il aurait eu... Il a eu beaucoup besoin de l'école sur ces plans-là. Pas forcément. Par contre, l'école... J'ai découvert ça plus tard. L'école donnait aux étudiants qui avaient envie de dessiner, mais ils ne savaient pas trop ce qu'ils pouvaient en faire, tout à coup leur a donné l'idée que c'était toute une filière possible, un métier possible, formidable... D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, le retour de l'image et du texte, c'est fabuleux. On ouvre une radio, on parle d'un illustrateur ou d'une BD, c'est fabuleux. Il y a un juste retour, je trouve, et de l'image et du texte dans un monde qu'il a forcément oublié, écrasé. C'est surtout ça, le retour qu'on ressent maintenant. Il y avait un grand vide, on avait laissé un grand vide. Et maintenant, il se comble. Presque trop d'ailleurs, parce que la prolifération de bandes dessinées, c'est aussi... mais ça prouve une vitalité fabuleuse. Alors, Catel, est-ce que vous étiez une rétive, vous aussi? Non. Elle était... Moi, j'ai toujours tourné autour d'un langage qui m'intéressait le plus. J'ai découvert, mais en même temps que j'avais créé l'atelier, j'étais ni enseignant, il faut dire que dans les écoles d'art, il n'y a pas d'enseignant, ni enseignant, dessinateur, illustrateur. C'est-à-dire que j'ai tout découvert en même temps. Quand j'avançais sur l'édition, dans le domaine de l'éducation, tout avançait en même temps. Je n'avais rien d'avance. J'aurais pas su où trouver des textes, des bouquins, des études sur ce métier-là. Ça n'existait pas. Alors j'ai eu la chance de voir venir des étudiants doués
qui m'ont aidé à monter. En fait, c'est moi le gros bénéficiaire. Faut pas... Mais tu avais aussi des copains. C'est d'une évidence absolue. Vous vous rendez compte que j'ai dû rencontrer 500 à 600 bons illustrateurs. Pas bons, parce qu'à la fin, au moment de l'entrée en atelier, sous la pression, c'est-à-dire sous le nombre qui demandait à entrer en atelier d'illustration, on en prenait 1 sur 10. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y avait 9 jeunes bons dessinateurs qu'on ne pouvait pas prendre. C'était fabuleux. Alors moi, j'ai vécu à côté des gens doués et je leur ai fait gagner un peu de temps, j'espère. C'est peut-être un des rôles importants de l'école. Alors si... Sous votre contrôle, je vais me permettre de présenter nos deux invités, nos deux artistes. Alors, Catel, j'étais un peu surprise en voyant votre dernier roman graphique, le roman des Goscinny, parce que moi, j'avais le souvenir de Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges, Joséphine Baker avec Jean-Louis Boquet comme scénariste, et puis Ainsi soit Benoît Le Groult, et là, un garçon, ça c'est quand même curieux. Et en fait, derrière le garçon, il y a une fille qui est Anne Goscinny. Donc, vous justifiez cette quasi-traîtrise de vous occuper d'un garçon cette fois-ci. Merci. Oui, alors, effectivement, je fais plutôt des portraits de femmes. C'est assez logique puisque j'en suis une moi-même et que donc c'est plus facile de parler de soi à travers ces portraits de femmes et de ce qui sont des modèles pour nous. Et c'est, d'ailleurs, ça manque cruellement dans l'histoire, les modèles féminins. C'est ce qui nous a donné envie, Joséphine Boquet et moi-même, d'en faire ressortir de la grande histoire. Et jusqu'au moment où, après avoir fait tous ces personnages, Anne Goscinny m'a demandé de faire son père. Et donc, j'ai refusé parce que d'une part, c'était évidemment un homme, et d'autre part, c'était pas tellement un clandestin de l'histoire puisque tout le monde le connaissait avec Astérix. Donc, ça rentrait pas du tout dans mon process, dans mes intérêts, et elle a été extrêmement vexée. Et la première rencontre, ça s'est pas vraiment tout à fait bien passé puisque je suis partie en lui disant non. Et finalement, on s'est revus une autre fois parce que j'étais très admirative de ses œuvres d'écrivaine, hein, parce qu'elle écrit chez Grasset des romans noirs magnifiques. Et je suis allée la voir pour qu'elle me dédicasse un de ses livres. Et là, elle m'a raconté sa vie. On a pris un café ensemble et sa vie de fille d'eux était absolument inouïe parce qu'elle me raconte qu'elle perd son père à l'âge de 9 ans et puis sa mère 10 ans après d'un cancer. Et elle se retrouve orpheline puisque le reste de sa famille est parti déporté dans la Shoah. Et elle a quand même occupé de l'héritage d'Astérix et Lucky Luke et le petit Nicolas, enfin tout ce qu'a créé son père. À 20 ans, elle se retrouve héritière de cette fortune artistique et matérielle aussi. Et elle ne sait pas s'y prendre. Et tout à coup, je me suis dit, mais ma clandestine de cette histoire, c'est elle. Être fille d'eux, c'est pas si simple. Alors, on a l'impression qu'elle a tout et en fait, elle a perdu l'essentiel. Et quand j'ai pensé, eh bien, je lui ai proposé de faire le roman, pas de Goscinny, mais des Goscinny, c'est-à-dire l'histoire d'une filiation au sein de toute une famille, hein, une histoire française. Et là, elle m'a dit oui, et c'est parti. Et c'est donc un double portrait. C'est pas un portrait d'homme, c'est un portrait familial, en fait, d'une fille, son père, et comment, voilà, ce gars qui part de rien, René Goscinny, qui est un Polonais juif, qui arrive à Paris, et puis finalement, ses parents vont partir en Argentine, il va grandir là-bas, et puis à New York, et puis il arrive assez tardivement en France, et il crée Astérix assez tardivement, et il crée l'emblème de la France, alors que lui-même, il a vécu 2 mois en France petit. Oui, à un moment, d'ailleurs, vous dites qu'il se fait presque insulter comme franchouillard, en quelque sorte, alors que absolument, lui, oui. Au contraire, il n'est pas du tout... C'est la seule fois où il a réagi parce qu'il ne parlait jamais de ses origines. Voilà, il était gêné, il était pudique, c'était trop dur certainement pour lui, hein, parce que lui, il a vu partir ses cousins, ses oncles en déportation, ils sont tous morts à Auschwitz. Et voilà, ça m'a énormément touchée comme histoire et je pense que c'était important de faire ressortir ça parce que finalement, Anne, c'est la dernière survivante de cette famille Goscinny. Et c'est dans ce sens-là qu'elle est une héroïne de vie parce qu'elle est le fruit de cette histoire. Et elle écrit en plus, alors ça me touche. Et puis l'histoire, c'est joliment pas terminée. On dirait presque qu'elle commence parce qu'à un moment, elle est très drôle dans la vie, Anne. Et je lui ai proposé d'écrire pour la jeunesse comme son père le faisait de façon amusante. Elle m'a dit non dans un premier temps parce qu'elle ne voulait pas être dans les pas de son père. Et puis, décidément, vous vous dites toujours non au début. C'est comme dans les films américains. Voilà, on se dit non et puis finalement, on se dit oui et puis c'est beau. Et voilà, elle a créé Lucrèce et je l'ai dessinée. Puis aujourd'hui, c'est un succès jeunesse. Et ça, vraiment, on pensait pas du tout que ça serait ça. On pensait faire un livre
livre pour cristalliser notre amitié, mais pas une série qui nous promet de longues années à vivre ensemble. Et ce qui est formidable dans ce roman graphique, qui est vraiment magnifique et très émouvant, et c'est justement tous ces visages qui sont dessinés, vos conversations, vous et Anne, René Goscinny, petit garçon, les dessins de Goscinny dans le livre aussi, en changeant les couleurs du livre, et puis cet échange où en fait je vous regarde pas, c'est mal, le lecteur est partie prenante. Alors je sais pas comment vous avez fait, mais il y a vous, il y a elle, il y a René Goscinny, il y a toute cette vie d'enfant, et puis nous lecteurs qui sommes là. Alors peut-être que vous avez une explication, un truc pour nous dire que finalement on n'est jamais simplement spectateur ou lecteur dans cette histoire. C'est compliqué quand on fait un double portrait, par où commencer, et puis c'était une idée, mais après la réaliser, c'était autre chose. Et c'est vrai que raconter René Goscinny aussi, comment parler à sa place, c'était extrêmement compliqué. Enfin, moi, qui suis-je pour parler du plus grand scénariste français, européen, peut-être mondial, dans la bande dessinée. Et en fait, très vite, elle m'a donné beaucoup de documents et je lui ai demandé des interviews de son père. Et elle m'a donné plus de 1000 pages d'interviews de son père, ce qui fait que j'ai pu reconstituer sa propre voix. Et c'est lui-même qui se raconte. Donc il y a des chapitres de René où il se raconte lui-même, et puis il y a des chapitres où je me suis mise en scène avec Anne, où elle me donne des compléments d'informations et sa vie à elle et sa vision à elle qui viennent compléter le récit de René. Mais ce que je voulais dire, et ça va finalement rejoindre un peu ce que disait Claude, c'est que René a commencé en se percevant dessinateur. Il voulait faire de l'humour à tout prix, et la meilleure façon de le faire, tout jeune, c'était de dessiner. Alors il recopiait des illustrés qui existaient en France, en Amérique, partout, et il faisait des dessins d'humour à l'école, il faisait des magazines, des fanzines, et il se voyait, il se percevait dessinateur. Et Anne m'a donné tous ces dessins en fait que j'ai pu mettre dans le livre. Et qui sont... C'était un bon dessinateur, ouais. Mais ce métier-là n'existait pas. Hein. Et dans les années 40, 50, ça n'existait absolument pas. Il disait d'ailleurs qu'il valait mieux dire qu'on piquait des mobilettes plutôt que dire qu'on faisait du dessin ou qu'on était auteur, parce que les gens ne comprenaient pas que ce soit un métier. Et donc il a, avec les tout premiers de la bande dessinée, il commençait à essayer de faire des histoires, des scénarios, de dessiner. Et c'est vrai qu'il était un peu moins virtuose en dessin qu'il ne l'était en scénario. Et pas de chance pour lui, il a rencontré tout de suite des génies du dessin. Il commençait par rencontrer Jigé, puis très vite Maurice, et puis Sempé, et puis évidemment Uderzo, et beaucoup d'autres, Franquin et d'autres. Et ça l'a calmé parce qu'il a arrêté de dessiner et il s'est consacré vraiment au scénario. Mais il n'y avait pas d'école de bande dessinée. Il n'y avait pas de professeur, il n'y avait pas de classe, il n'y avait pas de moyen d'apprendre et de progresser. Donc on était tout de suite bon ou on ne l'était pas à cette époque-là. Et donc lui, ça, heureusement pour notre bonheur, il est devenu scénariste. Mais il aurait pu devenir les bonnes personnes au bon moment. Il aurait eu Claude Lapointe, il serait devenu un super dessinateur aussi. Certainement. Sauf que Claude était un peu plus jeune. C'est ce que disait Cabu aussi. Il aurait bien aimé faire l'atelier des arts déco de Strasbourg. C'est pas mal comme référence. Et Claude a une superbe histoire qu'il m'a racontée il y a 15 jours avec Goscinny, justement. J'ai un bout d'histoire, oui. C'est-à-dire que j'étais militaire, quand je l'étais, je dessinais beaucoup. Et un jour, je fais deux personnages comme ça, jetés sur une feuille, et mes copains arrivent en disant « Mais ils sont marrants, tes deux Gaulois, là. » Bon, sans plus. Et puis, je dis « Tu pourrais en faire quelque chose. » J'en fais un deuxième, un troisième. Puis tout le monde trouvait ça marrant comme tout. Comme si c'était une évidence, ce personnage-là. Moi je n'avais pas travaillé. Hein. C'est vraiment... Il n'a existé, ces deux personnages n'ont existé que par réaction à tous les gens qui étaient autour. Moi, à la limite, peu. Je fais donc ce personnage, puis je trouve que ça intéressait vraiment beaucoup de monde. Alors à l'époque, mes copains écrivaient à leur famille, je faisais un petit gaulois sur l'enveloppe, donc ça s'est répandu. Et puis je trouvais ça intéressant. Alors je suis allé en ville, j'ai acheté un cahier d'écolier et j'ai commencé la première page. Il était une fois un village gaulois qui possédait une épée magique. Je me suis arrêté là, et à peu près dans ces zones-là, à cette époque-là, est sorti Obélix. Enfin, est sorti les... Oui, c'était curieux. Et à l'époque, je n'étais pas illustrateur. Je ne connaissais pas le monde de l'édition. Donc, ça ne m'a pas fait d'effet
des faits en disant « Ah, je me suis fait avoir, je vais râler ». Non, j'étais tout content. Je me dis « Mais je ne suis pas le seul à avoir... » Oui, oui, non, non, le truc... Tu as écrit à Goscinny ? Alors, j'ai écrit à Goscinny et je lui ai envoyé un dessin où mon Gaulois fout une trempe à Obélix. La revanche. Et bah, Goscinny m'a renvoyé un petit mot pour me dire bah, « J'espère que vous aurez de la chance, continuez. » Je n'ai pas retrouvé encore la lettre, mais je l'ai quelque part. Ah, c'est une très L'original, belle je ne l'ai pas, il est chez Goscinny. Il est chez sa fille, sans doute. Le dessin, peut-être, oui. Je vais lui demander, oui. Voilà. Alors, donc, mon petit lien avec Goscinny que j'admire énormément. Mais ce livre de Catel est un livre qui est à la fois plein de fidélité, plein d'émotions, et puis avec des éléments comme ça épars qui donnent une logique et une découverte tout à fait formidable. Mais je n'ai pas présenté Serge Bloch, j'ai laissé Claude le faire tout à l'heure, mais je me fais mon plaisir à moi aussi. Alors Serge, j'ai à la maison des Max et Lily en pagaille. Je suis désolé. Hein. Et je ne sais pas si je vous aime toujours, mais à force de les relire à enfants et petits-enfants, il y a des moments, je me demande si ce n'est pas moi qui les ai créés, ces livres-là. Donc, Max et Lily... Ce n'est pas moi, d'ailleurs. Sam. Mais peut-être, et vous en aviez parlé l'année dernière avec Marie Desplechin sur cette même scène, La rue de l'ours, qui est un livre extrêmement fort, puissant, émouvant sur votre famille, du 7 rue de l'ours à Colmar. Et c'est passionnant parce que, effectivement, Marie Desplechin a prêté sa plume, son ordinateur, son stylo pour raconter l'histoire, mais il y a les dessins, et c'est de ça que peut-être on va parler aujourd'hui, puisque l'idée c'est effectivement de raconter la vie, et ce sont ces dessins magnifiques qui sont à la fois très, très discrets finalement, un peu comme de dessiner dans la marge d'un cahier, et peut-être nous dire un peu comment, quand on est... partie prenante, quand c'est sa famille et que c'est un destin de famille avec ses sourires mais aussi ses tragédies, comment on arrive à se glisser et à dessiner un grand-père, un père, et comment vous avez travaillé là-dessus, parce que c'était peut-être plus facile de raconter tout ça à Marie Desplechin que de dessiner, vous, cette famille. Non, c'était plus compliqué de le raconter que de le dessiner, parce que dessinateur, c'est quand même un peu mon langage et mon écriture. Raconter, en plus, c'était un peu impudique, c'était compliqué. Pourquoi Non, j'ai beaucoup hésité, j'ai hésité longtemps, d'ailleurs, je le dis que j'ai mis... C'était une idée de livre que j'avais déjà quand j'étais chez Claude, comme étudiant, parce que ce monde un peu pittoresque d'où je venais m'intéressait, mais... Après, je ne sais pas, je ne me suis pas autorisé à le faire. Mais il y a une petite anecdote qui concerne un peu Claude et les Arts Déco. C'est que quand je suis rentré aux Arts Déco, un petit peu par hasard, mon père m'a dit « Mais c'est quoi cette école de drogués ?» Mon père ne savait pas trop ce que c'était. Et d'ailleurs, je ne savais pas trop ce que c'était non plus des Arts Déco. Enfin, voilà. Donc, par rapport à la vérité, à saisir la vie, etc., c'est un peu notre boulot à tous, raconter l'histoire de Goscinny ou de raconter toutes les histoires qu'on raconte. C'est ça. Moi, le seul truc que je peux dire qui est un peu idiot, mais qui est vrai, c'est que depuis toujours, en tout cas même quand j'étais étudiant, j'ai toujours eu l'impression que mes dessins étaient vivants. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est très naïf. C'est-à-dire que je dessinais comme je dessinais à l'époque et comme je dessine aujourd'hui. Mais après, j'étais directeur artistique dans des journaux et tout. Et j'ai toujours fait la différence entre ce que je trouvais vivant et ce que je trouvais appliqué, etc. Enfin, j'ai toujours cherché plutôt la vie que dans le dessin. Et là, donc, pour raconter la vie, peut-être la vraie vie, mais plutôt que l'application et la... Et j'ai fui un peu plutôt le côté trop travaillé, qui sont des fois magnifiques. Par exemple, Miles, qui n'est pas là, est un superbe dessinateur, coloriste, un peintre. Son travail
et plastiquement très intéressant. Mais moi, ce que j'ai cherché, c'était tout à fait ailleurs. C'était plutôt comment on pouvait raconter, parce que j'ai appris quand même, j'avais ça dans moi, mais avec Claude et les autres professeurs qu'on a eus, comme Pierre Kuenz, par exemple, qui était un type génial aussi, ils nous ont aidés à apprendre comment on pouvait raconter. Voilà. Mais c'est très juste. Je vous donne la parole tout de suite après, Claude. Mais le grand-père de Serge Bloch, il est boucher. Et on voit d'une façon extrêmement fine, comme ça, les gestes quand il découpe. Et je ne sais pas, c'est, moi je ne suis pas dessinatrice, donc je regarde ça en me disant mais comment fait-il pour que le geste soit là et qu'on ait l'impression que c'est vivant, que ça bouge. Et ça, c'est formidable. Alors ce n'est pas une question, mais c'est une constatation forte, je trouve. Claude, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais dire que dans les deux cas de ces grands anciens... ce qui est important, moi j'oserais dire, pour rentrer un peu, que ce ne sont pas des dessinateurs ou illustrateurs, enfin des dessinateurs, non, ce sont des auteurs qui manient leur crayon à leur manière, ils ont c'est teinté de leur main, et c'est un ensemble qui est destiné à être lu, compris pour finir par une réaction. On rit, on réfléchit. Il y aura toujours cette chose principale qui va être, qui n'est ni le dessin ni le texte. C'est le mélange entre les deux. C'est un art c'est un peu l'art du réalisateur de cinéma. On n'est pas loin de ça. Beaucoup plus que du peintre, qui est un autre domaine complètement différent. On a développé un superbe dessin dans le monde de l'édition pour la jeunesse, pour une raison assez simple, c'est que dans les livres de jeunesse, l'éditeur reçoit un texte d'un auteur qu'il a écrit à une certaine époque dans sa chambre quelque part et qui se suffit à lui-même. Le texte se suffit à lui-même. La majorité des livres pour enfants, vous enlevez les illustrations et vous avez l'histoire complète. J'ai jamais connu un auteur qui envoie à un éditeur un texte en faisant des trous dans son texte, en disant là il y aura une image ou là il y aura une image. On voit bien que l'idéal c'est peut-être qu'un auteur et un illustrateur travaillent ensemble. Ça c'est plus que vrai, mais voilà. Enfin, c'est ce que je voulais rajouter. Vous êtes des auteurs qui utilisez une manière très personnelle entre le texte et l'image pour raconter les choses le mieux possible. Je me souviens d'un moment important dans l'atelier, parce que je découvrais les choses, comme je vous l'ai dit, par petits bouts. C'est la prise en compte qu'il existait un lecteur. C'est le lecteur, je l'ai fait entrer dans l'atelier. Il n'existait pas dans les écoles d'art. Parce que dans une école d'art, on n'a pas de lecteur. On a des gens qui n'aiment pas, etc. Et celui qui fait son image dans une école d'art, c'est lui le personnage principal. Donc l'arrivée du lecteur a été pour moi un des points importants de l'atelier. Enfin, Serge, je vous en prie. C'est vrai que sûrement ce qu'on a appris le plus fort chez toi, c'est de faire attention aux lecteurs qu'on pouvait avoir. Et après, comme j'ai travaillé beaucoup dans la presse, comme directeur artistique ou comme dessinateur, j'ai conforté ça. On a beaucoup travaillé, bien sûr, dans les journaux où j'étais. C'était des journaux pour la jeunesse où je travaillais en équipe. Il y avait quand même une vraie obsession de la lecture. Il fallait que ce soit lisible, surtout parce que dans un contrat comme un abonnement en presse,
pour un petit lecteur. Si au bout de deux pages, il laisse tomber, ça ne marche pas. Enfin, la facilité de lecture et tout ça, c'était très travaillé. Et maintenant, après des années et des années de dessin, etc., même aujourd'hui, si je fais une exposition de dessin très libre, je pense quand même toujours aux gens. Je me dis, mais ça va être dans leur chambre à coucher, ils vont avoir ça au mur, je vais leur raconter une histoire, mais pas trop. Enfin, justement, quand on passe d'un médium ou d'un genre à l'autre, même si on garde toujours l'idée du lecteur, ce qui est amusant, c'est effectivement de leur donner des plaisirs différents. Mais ils sont toujours là, les gens, dans notre travail. Et vous, Gatel, quand vous choisissez de dessiner quelqu'un qui existe, qui a existé dans l'histoire comme Olympe de Gouges, ou qui a existé dans nos cœurs comme Benoît de Groult ou René Goscinny, vous trouvez tout de suite le visage, c'est une difficulté supplémentaire que d'avoir en face de vous à dessiner quelqu'un qui existe, ou au contraire, vous avez tout de suite le truc. Non, j'ai pas tout de suite le truc, c'est pas évident. Par exemple, Joséphine Baker, ses enfants sont venus me demander de la CE, qui ont demandé qu'on fasse Joséphine Baker en bande dessinée. Moi, je me sentais pas trop légitime, je me sentais pas tellement ni noire ni américaine venue en France, donc je savais pas très bien, mais ils m'ont tout de suite répondu que justement ce que voulait Joséphine, c'était qu'on ne voit pas les couleurs, les religions, donc ils voulaient mon dessin, ils pensaient à Paul Colin, et ils m'ont montré des dessins de Paul Colin qu'il avait beaucoup représenté magnifiquement, et ils m'ont dit, alors vous, ça sera bien, parce que vous ferez ni quelque chose de trop réaliste, ni quelque chose de trop caricatural. Alors faites-nous notre mère. Et là, c'était un défi très difficile, parce que, un peu comme Tintin, mais ça doit être Joséphine Baker. Waouh. Donc je leur ai fait plusieurs propositions. Ben non, 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 elle a plus le visage plus allongé, plus des grands yeux, comme ci, comme ça. J'ai cherché assez longtemps, en fait, et tout à coup, ils ont tous reconnu leur mère. Donc ça, c'était leur mère, mais à quel âge ? Après, il a fallu faire la Joséphine petite. Alors, ils m'ont donné des documents, des photos, et puis Joséphine adolescente, et puis Joséphine plus mûre, et puis Joséphine plus vraiment âgée. Et donc, c'est des recherches pour que ce personnage, en trois traits, finalement, parce qu'un peu comme Serge, je cherche à dessiner de façon assez spontanée, vivante, efficace, et pas trop chiadée. Enfin, mon travail aussi, un dessin assez enlevé. Et puis bon, ça a fonctionné, mais à chaque fois, je me repose la question de comment faire évoluer ce personnage à tous les stades de sa vie. Et j'ai des documents, plus ou moins, pour Goscinny. Alors, Anne aussi, elle voulait absolument que je fasse moi son père et pas quelqu'un d'autre, pour mille raisons, mais entre autres pour le dessin. Elle voulait que son père ne soit pas une grosse caricature, parce qu'il a été énormément dessiné, représenté Goscinny, mais souvent de façon très caricaturale. Et elle voulait une certaine élégance et en même temps une simplicité. Donc elle m'avait choisi, ce qui me faisait plaisir. Mais après, il fallait encore arriver à être à la hauteur de ses attentes. Voilà, elle m'a donné beaucoup de documents et j'ai fait mon René Goscinny et elle s'y retrouve. Donc tant mieux, mais c'est pas toujours évident. Olympe de Gouges, j'ai eu de la chance, personne ne la connaissait. Il y avait très peu de documents sur elle, donc personne n'est venu réclamer quoi que ce soit. Il y avait trois peintures d'elle, mais trois différentes. En revanche, j'avais des descriptions d'elle, donc je suis partie des descriptions pour arriver à concevoir le personnage. Et alors, René Petit, rigolo, petit garçon, je ne sais pas à quoi ressemblait René Goscinny quand il était petit, mais il est évident que quand on ouvre votre livre, c'est lui. Ben, c'est-à-dire qu'il avait, pour chance pour moi, des choses très reconnaissables. Il avait un nez pointu et deux fossettes quand il riait, très 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 appuyées, qu'il a toujours gardées, qui lui donnaient un charme incroyable. Et tout petit, il savait que ce charme opérait déjà à un an, parce que tout le monde riait dès qu'il riait avec ses petites fossettes. Voilà, donc il y a des trucs parfois qui font qu'on reconnaît facilement quelqu'un grâce à une particularité physique. Est-ce que le plus difficile, c'est pas de se dessiner soi-même, parce que vous êtes dedans aussi. Vous êtes à discuter avec Anne Goscinny. C'est pas la première fois que je fais ça. Je l'ai fait pour Benoît de Groult aussi, parce que je n'avais pas du tout envie de me dessiner. Mais à un moment, j'ai pas le choix, parce qu'il faut bien mettre en scène une personne vivante et à qui elle va parler. Elle va pas parler au lecteur comme ça toute seule. Il faut que quelqu'un lui pose des questions. Et puis finalement, je me suis mise en Tintin reporter, moi, mais j'ai dû me caricaturer un peu ou me dessiner pour que je sois en tout cas pas forcément reconnaissable. C'est difficile de se dessiner soi-même, mais en tout cas distinguable de l'autre personne. Anne, j'ai dessiné comme je la voyais vraiment, puis moi je me suis fait un personnage facilement reconnaissable.
Et c'est comme une des mises en abîme successives, hein, parce qu'il y a Lucrèce aussi qui est un peu l'image des enfants, de vos enfants. Donc je trouve que c'est quand vous parliez du lecteur ou du spectateur, c'est ça aussi, on a l'impression qu'on est dans l'histoire aussi en train de se mettre à table avec vous. Ah oui, bon, c'est totalement imaginaire, mais c'est vrai que la fille de Anne Salomé a posé, c'est Lucrèce. Et puis Lucrèce a trois copines qui s'appellent Léline et ma fille s'appelle Line, mais c'est un hasard, hein, bien sûr. et puis bah, finalement, bien sûr, c'est la famille recomposée, c'est la mienne dans ma maison, mais en même temps, c'est son chien, c'est sa tortue. Enfin, c'est nos deux mondes, c'est une fusion en fait qui est venue lors de nos vacances ensemble et c'est sorti tout à fait spontanément. Je vous disais qu'on pensait en faire un livre et puis basta, pour nous raconter de façon bien déguisée, bien sûr. Et puis finalement, bah, voilà, on continue à parler de soi en permanence. Et vous, Serge Bloch, vous vous dessinez dans vos histoires, vous... Je ne veux pas faire de psychanalyse de supermarché, mais en fait, on se dessine tout le temps. On parle tout le temps, on parle tout le temps un peu de soi, mais même quand on parle des autres. Hein. Donc, c'est vrai que... Moi, j'ai un petit personnage qui a des lunettes et un peu chauve, ce qui est assez récurrent et dont je me sers beaucoup. Je finis par lui ressembler de plus en plus. Ah oui, c'est inverse. Donc, c'est vous qui commencez à ressembler à votre... Oui, oui, je vais finir tout blanc et en papier. Je pense que ça va finir comme ça. Alors, oui, Claude, vous voulez... Oui, c'est pour parler de l'image en général. Chez ces deux comparses et d'autres, tous les illustrateurs et dessinateurs de BD, il ne faut pas oublier que c'est... Bon, avec quelques traits, il s'agit de reconstituer des scènes en 3D. C'est ça qui est important. Par exemple, une des difficultés énormes pour les dessinateurs débutants, c'est créer un personnage, c'est une chose. On peut faire une silhouette, c'est très bien. Mais le faire vivre sous tous les angles, savoir faire tourner la tête, retourner vue trois quarts arrière, dos, etc., avec un petit trait tout simple, je vous jure que ce n'est pas du tout facile. C'est une des premières difficultés rencontrées. C'est-à-dire en faire un personnage de 3D. Je reviens à ça. Et je pense que les illustrateurs sont, ou dessinateurs de BD, par exemple, ou dessinateurs de presse, sont des cinéastes. Ils ont une caméra, quelque part, qui permet de faire comprendre ce que je viens de dire, c'est-à-dire la troisième dimension en mouvement. Évidemment. Serge, que vous avez toujours dessiné, si j'ai bien compris, vous dessinez dans la marge, vous rêviez d'être dessinateur, mais est-ce que votre dessin s'est simplifié ou compliqué avec le temps? Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers dessins et comment ça a évolué? Ben, en fait, dans les dessins que je retrouve de l'époque où j'étais étudiant de Claude, Je reconnais toutes les qualités, tous les défauts des dessinateurs débutants. C'est-à-dire que quand on commence à dessiner... Bon, d'abord, on dessine tous enfants, on dessine tous ados. Mais après, on se retrouve dans un endroit comme une école où tout le monde dessine. Et l'école de drogués, oui. Voilà, l'école de drogués. Maintenant, je suis un peu drogué du dessin, maintenant. Mais ce qui est vrai, c'est que... C'est sûrement assez... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est inquiétant d'arriver à sortir quelque chose. Donc, c'est rassurant pour les dessinateurs débutants d'être assez laborieux et de mettre beaucoup de détails et tout. Il y a un vrai plaisir. On peut passer des nuits, à l'époque, à faire des jolis volumes et des ambiances colorées, etc. Et puis, petit à petit, je m'en suis lassé parce que je suis assez feignant et j'ai plus en plus abandonné tout le côté laborieux pour essayer d'être de plus en plus dans... Alors je me suis accroché à une autre branche qui était l'idée, enfin en tout cas l'illusion d'avoir des idées. Et ça marche plutôt bien parce que j'ai découvert après d'autres choses qui sont intéressantes dans le dessin toujours, c'est que quand on a une idée, elle vaut ce qu'elle vaut, mais si on la noie dans plein d'effets, elle est souvent moins forte que si on la laisse toute nue
Et alors les gens s'arrêtent et disent oui, c'est pas mal, il y a une idée là. En fait, c'est comme ça que le dessin s'est épuré, en fait, et surtout dans la presse. Quand on dessine dans des... Moi, j'avais vu que Claude avait été un dessinateur du Monde et tout. Je me rappelle du Le Monde du Dimanche, où enfin, tu avais des dessins magnifiques. Mais moi, j'ai dessiné pas mal dans les journaux. Et j'aime beaucoup ce côté, ce papier gris et tout, pauvre. Mais les pages sont vachement pleines de gris. Et si on donne un peu d'air et on laisse un peu de blanc, ça marche très bien dans une mise en page. Donc j'ai fait un dessin très simple pour qu'il sorte plus qu'un dessin qui soit souvent assez chargé. Bon, alors ça marche un temps, après ça lasse aussi, mais bon, ça c'était une de mes ruses. Ouais. C'est pour ça que j'ai simplifié. Et puis la presse, ça vous a appris aussi à ne pas avoir de temps, oui. Donc à travailler vite, oh, c'est intéressant. De toute façon... Ouais, pardon ? Je veux dire quelque chose ? Non, quand vous disiez travailler vite, c'est vraiment ça. Moi, je me souviens qu'avec Le Monde, je recevais un coup de fil d'un rédacteur qui me disait le contenu du texte. Et moi, je commençais... Quand il avait terminé le coup de fil, le dessin était déjà à moitié terminé. C'est parce que il y a des immédiatetés comme ça, mais pas toujours. Il y a l'inverse aussi. On rame. On n'arrive jamais à trouver la scène qui convient. Mais la puissance de ce qu'on tient en main, ces dessins qui parlent, c'est le plaisir garanti lorsque le lecteur sourit ou réagit ou va prendre un gilet jaune, je ne sais pas quoi, quelque chose. Ça, c'est le sommet. Quoi. Pardon, oui, non, mais pour aller dans le sens du plaisir du dessin de presse, quand même, parce que ça... Ce qui est génial, c'est que quand on fait un dessin dans un journal comme Les Dernières Nouvelles ou d'autres, on a des dizaines et des dizaines, même des fois des centaines de milliers de lecteurs pendant une journée. Et après, ça part, ça sert à allumer le poêle ou bien ça sert à sécher les chaussures, mais ou emballer. Mais ça, c'est une très grande galerie, très éphémère. Et ça, c'est génial, je trouve. Moi, c'est un grand plaisir de pouvoir... Après, c'est un peu comme, si je peux permettre l'expression, un peu pisser dans le sable, parce qu'il ne reste pas grand-chose de tout ça. C'est vrai. Comme c'est très éphémère. Physiquement, oui. Physiquement. C'est une grande leçon d'humilité, c'est vrai. Oui. On est dans le flot de ce qui passe. Mais comme... Quand on travaille dans un magazine. Pour le gris aussi, oui. C'est pareil, puisque oui. C'est vrai qu'on appelait ça le gris pendant l'écriture, donc soyons modestes. Mais alors, c'est drôle, parce que donc Miles Simon n'est pas là, mais lui aussi travaille pour la presse, il fait souvent des dessins pour Le Monde, et on a l'impression qu'au contraire, lui fait des dessins. Alors c'est embêtant de parler de lui en son absence, mais ce sont des dessins très, très finis, qui ressemblent beaucoup à ce qu'il peut faire dans l'illustration, où il prend le temps, et on ne peut pas lui demander, mais on se demande un petit peu comment il arrive à travailler sur quelque chose de très ample, finalement, contrairement aux dessins de presse souvent. Catel, quand vous vous souvenez de vos premiers dessins, quand est-ce que vous avez dessiné dans la marche toute petite, vous aussi? Ben oui, comme disait Serge, on a tous commencé par dessiner dans les marges de nos cahiers d'école. Et comme disait Goscinny, il aurait fallu inverser, il aurait fallu travailler dans les marges et dessiner sur la belle partie du cahier. Et voilà, quand je me souviens quand je devais faire mes devoirs de maths, j'étais nulle en maths, je dessinais à la maison. Et quand mes parents arrivaient, je recouvrais vite avec les devoirs de maths. Et ça se faisait pas, enfin, c'était pas un métier de dessiner, hein, même encore dans mon enfance. Et j'ai quand même continué, persévéré. Et par chance, mes parents m'ont écouté un moment que j'avais envie de faire du dessin. Il y avait les arts déco qui existaient, il y avait des écoles, ce qui n'était pas le cas avant. Et j'ai pu en faire un métier. Et d'ailleurs, moi, mon modèle en dessinant comme ça, il y avait très peu de modèles féminins à l'époque. Hein. Et encore moins en bande dessinée, en dessin de presse. Et là, la personne qui m'avait révélé ce métier, c'était Claire Bretéché, avec Agrippine et Frustrée. Et je m'étais dit, un jour, je veux faire Claire Bretéché. Mmh. Et puis, comme métier, c'était, ça paraissait fou, puisqu'il y en avait une, c'était donc possible. Et c'était dans les années 80, le siècle dernier.
Et finalement, ben voilà, j'ai fait autre chose que Bretéché, mais j'ai eu la chance de la rencontrer et de m'entendre très bien avec elle. Et voilà, j'ai même eu envie de faire une bande dessinée sur elle, et elle était OK. Mais finalement, c'est Goscinny qui a remporté l'affaire, et d'autant plus qu'il y aura un tome 2 où Bretéché va entrer dans l'histoire, parce que c'est grâce à lui qu'elle a pu exister comme Bretéché. C'est lui qui a fondé le journal Pilote, et c'est lui qui lui a écrit ses premiers scénarios et qui lui a signé son premier contrat. Il n'y avait aucune femme qui faisait ce métier-là, et c'est grâce à lui qu'existe Claire Bretéché. Donc c'est normal de rendre hommage aussi à Goscinny. C'est une histoire à épisode. Alors, je posais la question à Serge Bloch sur sa façon de dessiner. Vous avez tout de suite trouvé le trait, vous avez fait des tas de choses différentes, et puis, comme je vais vous rendre le micro, c'est aussi aller plutôt vers des personnages existants dont on raconte l'histoire. Ça vous est venu très vite ou bien pas? Non, ça ne m'est pas venu très vite du tout. Je suis arrivée à Paris avec mon petit carton à dessin. J'étais déjà trop contente de faire du dessin, de pouvoir en vivre. Pour moi, aller travailler à Strapi, où Serge était le directeur artistique, c'était arrivé au top. Vous êtes une famille, là, si je comprends bien. On se retrouve vite les uns les autres, quand même. Hein. Oui, oui. Mais voilà, je travaillais à Bayard Presse, je faisais des dessins, aussi à Fleurus Presse, dans Fripounet, toutes les semaines. Enfin, j'ai fait vraiment l'école de la vie du dessin, c'est-à-dire rendre des dessins toutes les semaines pour gagner sa vie, après faire des bandes dessinées d'une page, après des bandes dessinées de trois pages, mais pour les enfants. Ça a longtemps été mon truc de faire des livres et de la presse pour les enfants, parce que j'avais été avec mon camarade avec qui j'ai fait mes classes aussi, Blotch, un grand, grand dessinateur. Et lui, et voilà, il était dans ma promotion, c'est toujours mon grand ami. Et il m'a embarqué à Fuite Glaciale, où il travaillait tout de suite à la sortie des Arts Déco. Et alors là, je suis tombée sur une équipe de foot de 30 gars. J'ai montré mes dessins, ils étaient tout à fait OK que je rentre dans l'équipe, mais au bout de 3 heures où ils avaient picolé et ils se retrouvaient en bande, je me sentais un peu isolée, un peu la Schtroumpfette dans le village, et je me suis enfuie, et comme beaucoup de femmes, je me suis retrouvée dans ce milieu beaucoup plus rassurant de la jeunesse, et pendant longtemps j'ai fait des dessins, des livres, mais j'avais toujours en tête que je voulais faire de la bande dessinée adulte. Et puis un jour, c'est en rencontrant Véronique Grisseau, une copine coloriste qui mettait mes bandes dessinées jeunesse en couleur, on avait envie d'écrire un scénario ensemble adulte, raconter l'histoire d'une femme de 30 ans avant Bridget Jones, enfin notre histoire déguisée évidemment. Et puis on a envoyé le scénario aux Humanoïdes Associés, une maison d'édition assez prestigieuse dans la bande dessinée un peu underground, et on a été retenus. Et puis c'est là que c'est parti, on a raconté notre histoire de Lucie juste avant Bridget Jones. On a eu beaucoup de presse, ça fait un peu de bruit dans le milieu de l'édition, parce qu'on était les rares femmes qui faisions quelque chose, et puis ça m'a ouvert les portes, et après j'ai continué à travailler sur des personnages féminins, et puis très vite, bon, parler de moi c'était pas si intéressant, mon nombril était, j'en avais fait le tour. Et j'avais envie de raconter plus des femmes dans l'histoire, des histoires singulières de femmes, mais pour raconter une histoire plus générale, l'histoire des femmes dans laquelle je m'inscrivais. Et puis petit à petit, voilà, puis la rencontre avec José-Louis Boquet, qui est écrivain, historien, scénariste de BD, qui m'a permis d'aller vraiment un cran plus loin, parce que c'est un travail très très fort, très lourd, de raconter le destin de personnages historiques. Ça demande beaucoup de temps, de documentation, une manière d'écrire, et on n'est pas trop d'être deux pour faire ce type d'ouvrage qui fait plus de 300 pages. Mais en fait, en regardant ces livres les uns à côté des autres, il y a une immense logique de raconter l'histoire des femmes. Alors, je pense que vous y aviez pensé. Hein. C'est pas un hasard. C'est venu petit à petit. J'avais pas le projet de faire la grande histoire des femmes, pas du tout. Hein. C'est venu au début. On a fait Kiki de Montparnasse parce que c'était la photo la plus vendue au monde. Cette photo qui est vraiment l'égérie du surréalisme, où on voit cette femme de dos nue avec des ouïes de violoncelle. C'est la photo la plus vendue au monde. On sait éventuellement que c'est Man Ray qui a fait cette photo, mais on ne sait pas quel est ce modèle. Et qui avait écrit ses propres mémoires à 30 ans, et c'était une femme juste extraordinaire, qui était une artiste complète. Et on venait à l'époque, dans les années 20, à Paris pour voir la Tour Eiffel et Kiki de Montparnasse. Et on s'est demandé pourquoi elle avait complètement disparu de l'histoire. Donc on s'est attaqué à ce portrait, voilà, en biographique. Et puis ça a rencontré un succès immense. Ça a été publié dans une vingtaine de pays, traduit dans plein de langues. On s'est dit, ben, peut-être que c'est quelque chose qui nous convient. Et à ce moment-là, il y avait Marjane Satrapi qui avait sorti Persepolis. Et j'avais trouvé ça, enfin c'est mon amie aussi, Marjane, j'avais trouvé ça extraordinaire.
extraordinaire. Déjà à l'époque, Maus m'avait énormément frappé de Art Spiegelman, ce type de livre, d'ouvrage biographique ou autobiographique. Et l'autobiographie, pour moi, c'était pas si intéressant. J'avais d'ailleurs dit à ma mère que j'avais une vie très très nulle parce qu'il m'était rien arrivé. Une famille qui n'avait pas eu de drame, une enfance sans problème, enfin une vie nulle, quoi. Et elle m'a regardée en disant, mais tu te rends compte qu'il y a des femmes qui sont battues pour que tu sois libre, peut-être qu'il faudrait que tu penses. Elle pensait à elle, hein, je pense. Mais en allant un cran plus loin, effectivement, on s'est dit, mais il y a des femmes, c'est vrai, dans l'histoire, qui ont travaillé, qui se sont battues, qui ont même parfois donné leur vie pour que d'autres puissent, comme moi aujourd'hui, pouvoir m'exprimer, être libre. Peut-être qu'il faudrait que je rende hommage à ces femmes. Et c'est là qu'a commencé ce travail. Et j'ai eu envie de parler de clandestines, ce que j'appelle des clandestines de l'histoire, c'est-à-dire des femmes qui ont marqué l'histoire, mais que l'histoire n'a pas retenu. Et voilà, Kiki, c'est la photo la plus vendue au monde, mais on ne sait pas qui elle est. Olympe de Gouges, elle a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, personne ne sait qui c'est, alors que tout le monde connaît la phrase « Les hommes et les femmes naissent et demeurent égaux en droit ». Personne ne sait qui l'a écrit. Enfin, maintenant, on commence à plus le savoir. Elle rentre dans les livres d'histoire. Et puis après, ben, Joséphine Baker, la première femme de couleur, connue mondialement, mais avec des bananes, une image rétrograde, raciste. Et puis voilà, Benoît de Groux, qui a travaillé à la féminisation des noms de métiers. Aujourd'hui, on peut dire une écrivaine. Mais au début des années 2000, c'était toujours un écrivain pour une femme. Et puis tous les métiers, c'était Madame le ministre, Madame le président. Maintenant, voilà, c'est la ministre, la présidente, la maire. Voilà, Benoît a vraiment travaillé à ça. Et puis elle a écrit des ouvrages remarquables sur le féminisme. Et j'ai eu la chance de la rencontrer et de faire une bande dessinée sur elle et sa propre vie, puisqu'elle a brisé tous les tabous. Elle a connu la vie d'une. Elle était professeure de latin grec et elle n'avait pas le droit de vote. Elle a connu les avortements à l'aiguille à tricoter et son mari, Georges Decaune, quand même, qui lui disait de mettre de l'eau de colonne pour se préserver, pour ne pas tomber enceinte. Enfin, on a l'impression que c'est la préhistoire et en fait, c'est hier matin dans l'histoire, elle me raconte tout ça et je le raconte en bande dessinée. Et là, je le fais toute seule et puis voilà, je continue. Je rencontre Anne Goscinny, c'est un coup de foudre, mais ça raconte autre chose. Ça raconte une époque. Là, ça raconte l'histoire de la bande dessinée à travers René Goscinny. Et maintenant, je m'attaque à un autre personnage avec José-Louis Boquet qui s'appelle Alice Guy, qui est la première cinéaste de l'histoire, une Française, qui a fait plus de 500 films à l'époque du cinéma muet, hein, vraiment les démarrages fin du 19e siècle, en même temps que les Frères Lumière, hein, et que Méliès. Et cette femme a fondé la Gaumont. On a retenu dans l'histoire Léon Gaumont, mais on a complètement oublié Alice Guy. Donc on est en train de retravailler sa mémoire et de raconter derrière cette histoire flamboyante de ce personnage romanesque, on raconte l'histoire du cinéma, en fait, à son début. C'est drôle, en écoutant Catel, Serge Bloch, je me disais que ce livre, La rue de l'ours, en fait, vous racontez la famille des gens modestes. Et finalement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est un peu emblématique. C'est des familles comme on a pu en avoir, nous, comme on peut en croiser. Et vous leur donnez, alors bon, c'est votre famille, d'accord, mais vous leur donnez une éternité, oui. Et oui, comme une existence commune, et c'est extrêmement important aussi d'être à la fois dans l'histoire des femmes et puis dans l'histoire des familles. Moi, je dirais que c'est à l'opposé des livres de Catel, c'est-à-dire que pour moi, bon, tous ces gens extraordinaires qui sont connus, comme Goscinny, etc., je les admire. Mais en fait, les vrais héros de la vie, c'est les gens normaux, je crois. Enfin, les gens de la rue, les gens... La vraie... Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse plus, ça. Par exemple, moi, je suis toujours fasciné par un artisan qui sait construire une maison, un maçon. Je peux passer des heures à discuter avec lui. Hein. Probablement parce que je viens de ce monde-là aussi. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le fait que les vrais héros sont les gens normaux. C'est ça qui me parle plus, en tout cas. Après, les gens qui ont fait des œuvres extraordinaires, je les admire comme tout le monde. Et je suis reconnaissant qu'ils nous aient apporté des choses magnifiques. Mais même dans mon dessin, ça m'intéresse plus de parler de tout le monde. Et simplement, si c'est possible. Mais d'ailleurs, vous en parliez tout à l'heure, ce dessin qui est dans l'action, comme ça, dans le geste, c'est un hommage à l'artisan, à chaque fois. Oui, on a tous un petit côté. On a tous, effectivement, dans notre travail, il y a une répétition. Tous les matins, on ouvre son petit pot d'encre, on plante
Après, je ne sais pas si on est artisan ou si on est artiste, tout ça, ça ne m'intéresse pas trop. Non, 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 c'est plutôt à ceux que vous dessinez. Oui, je sais. Au fond, c'est. Oui, c'est non, mais ça, le côté, ce côté laborieux et répétitif et où on essaye d'améliorer tous les jours son geste, c'est vrai, ça existe. Comme un menuisier ou un ébéniste aussi. Claude, on va vous laisser le dernier mot et puis surtout que vous nous disiez ce que vous êtes en train de faire parce que vous mettez en valeur vos élèves, mais vous... Oui, je me suis lancé, je ne sais pas comment, je n'ai pas compris, dans une grande bande dessinée. Non, d'ailleurs je dis bande dessinée, je ne sais pas si ça s'appellera comme ça. Et peu importe, il y a des images et il y a du texte, si vous voulez. Et l'arrière-fond de l'histoire, c'est la naissance d'un langage écrit, enfin, plutôt graphique, c'est-à-dire des graffitis qui veulent dire quelque chose. C'est la naissance de cette chose-là. Et les personnages sont surpris de voir, alors qu'avant, ils ne savaient pas comment mémoriser quelque chose, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de moyens, sauf la mémoire. Mais qui refaisait les gestes de quelqu'un d'autre, c'était un peu difficile. Tandis que là, quelqu'un découvre qu'en laissant un gribouillis, une trace sur une écorce d'arbre ou sur un rocher, on s'aperçoit que ça reste, que quelqu'un d'autre peut venir après qui aurait appris ce langage-là et va retrouver longtemps après, par exemple, le sens qui était caché dans ces signes. C'était cette espèce de mystère de l'écriture qui m'intéressait et qui est mais loin derrière, on le voit pas forcément. Il y a une histoire normale sur le devant de... Voilà. Alors, j'essaye de... J'ai pas compris comment cette histoire est venue. Hein. Je cherche encore, mais je sais pas. J'ai été le premier surpris parce que j'étais parti complètement... Après, les arts, quand j'ai quitté les arts déco, je suis allé dans le monde de la peinture, le monde qui n'a rien à voir avec le monde de l'édition. Et puis cette chose-là m'est arrivée comme un obus qui n'a pas encore éclaté, mais qui n'en est peut-être pas loin. Eh bien, terminez-le vite. Alors, vous revenez l'année prochaine à Colmar pour nous en parler. Il me faut deux ou trois ans. Merci et merci à tous les trois artistes merveilleux, en souhaitant que notre quatrième absent, Miles Simon, se porte mieux. Merci beaucoup, Catel. Merci, Claude Lapointe. Merci, Serge Bloch. Merci. C'était vraiment un très beau moment avec vous. Merci. Merci au lecteur, le fameux lecteur. Merci.